vous désirez rapidement numériser un code QR? Mais restez avec nous. Il y a deux façons pour numériser un code QR. La première, dans le portail pédagogique de l'élève, vous avez une tuile « Lecteur de code QR ». Ou, si vous le préférez, vous pouvez aller dans le menu « Favoris CSSS » et sélectionner « Lecteur de code QR » au bas du menu. Donc, allons-y avec l'une des deux méthodes. Une fois que vous avez cliqué sur la tuile, vous placez le code QR devant l'écran. Et voilà, le tour est joué, il ne vous reste qu'à cliquer sur « Go ».